Alléluia. Père, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci de nous réveiller en ce matin. Merci, Père, pour ta vie que nous avons, pour le mouvement que tu nous accordes et de ce que tu es la raison de notre être, de notre existence. Alléluia. Shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Pour nous inviter à nous réveiller alors que nous sommes là. Ce matin, alors que nous dévançons l'aurore pour prier, alors que nous poursuivons, nous marchons progressivement vers la fin de nos 50 jours, j'aimerais que tu puisses te lever un moment, que tu puisses t'éveiller. Si tu te sens très fatigué, tu peux te redresser. Si tu as un voisin, que ce soit dans ta chambre ou dans ta maison, un voisin légitime, bien entendu, tu peux aller le réveiller afin que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que nous puissions élever nos voix et confier ce temps au Seigneur. Confier ce temps, disposons nos cœurs. C'est vrai que c'est pas toujours évident avec le réveil le matin. Disposons nos cœurs ce matin. Disposons nos cœurs dans la présence, dans la douce présence du Saint-Esprit. Disposons nos cœurs dans la douce présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. Disposons nos cœurs dans la douce présence du Saint-Esprit. Laissons notre esprit être bercé par notre âme et notre corps, de peur que nos yeux ne s'apaisantissent. Mais notre esprit est bercé par la douce présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Je suis conscient de ta présence ce matin. Il nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de toi croit que tu es et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Voilà pourquoi ce matin nous n'attendons pas de ressentir quelque chose, non. Mais nous avons l'assurance que tu es là. Nous avons l'assurance que tu es là. Voilà pourquoi nous voici, Seigneur. Nous voici, nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont disposés alors que nous sommes dans ta présence, Jésus. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont disposés. Nous voici en ce matin. Nous voici en ce matin, Seigneur notre Dieu. Nous voici, nous nous approchons de toi. Nous voici, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus. Nous approchons de toi, Seigneur Jésus. Dans l'intimité, nous nous approchons de toi. Les cœurs disposés, nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons de tous nos cœurs, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous voici en ce matin. Nous voici en ce matin pour communier avec toi. Pour communier avec toi. Oh, nous voici, Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation. Yeah.
Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur, en ce lieu ce matin. Et nous prions que ta présence nous touche. Que ta paix nous inonde comme un fleuve. Rima mama mama. Yeri abrabosi brades. Rima mama suria la bakari. Oui, Saint-Esprit, inonde-nous. Inonde-nous. Inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur, de ta présence. Alléluia. J'ai la paix, car le Seigneur de la paix me donne lui-même la paix. Et de toute manière, j'ai la paix en Jéhovah Shalom. Je n'ai rien à craindre grâce à sa douce présence. J'ai la paix, car le Seigneur de la paix me donne lui-même la paix. En tout temps et de toute manière, j'ai la paix. Jéhovah Shalom, je n'ai rien à craindre grâce à sa douce présence. Shalom. Alléluia. Alléluia. La paix comme un fleuve. Shalom. Alléluia. Alléluia. La paix comme un fleuve. Shalom. Alléluia. Alléluia. La paix comme un fleuve. Shalom. La paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un fleuve. J'ai la paix avec Dieu, la paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un fleuve. J'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix de la paix avec Dieu, j'ai la paix de Dieu en moi, la paix de ton côté. Alléluia, la paix comme un fleuve. Shalom. Alléluia. Alléluia. Shalom. Alléluia. Alléluia. La paix comme un fleuve. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta paix. Ta paix que tu répands comme un fleuve. Ta paix que tu nous donnes d'expérimenter de tous les écouter alentour. À toi la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Pendant un court instant, j'aimerais que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu pour méditer ensemble et nous allons continuer de prier. Amen. Je crois que nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Et nous allons, je vais rapidement, tu peux rester dans la position dans laquelle tu te trouves. Je vais rapidement lire trois passages, Ésaïe 66, verset 12, que nous connaissons certainement bien, vu que c'est l'un des passages phares de notre programme.
programme de jeûne. Isaïe 66, verset 12. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, caressés sur les genoux. Je vais ensuite lire Isaïe 33, verset 24. Isaïe 33, verset 24, qui est notre passage de méditation du jour. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses péchés. Et enfin, nous allons lire 3 Jean. 3 Jean, le verset 2, sachant que 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Donc 3 Jean, le verset 2, un passage que normalement aussi nous connaissons très bien. Et la Bible nous dit dans 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La paix comme un fleuve, la santé. Amen. » Et ce matin, hier, nous avons notamment médité sur la guérison. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler de la santé. En septembre de l'année dernière, nous avons vu croître dans la grâce et vivre la santé divine. Et nous avions notamment vu la définition de la santé telle que communiquée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. La santé définie comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc ici, la santé nous est présentée comme un état de bien-être. Et rappelez-vous que le Seigneur a dit par le prophète, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et le mot bien-être ici veut dire aussi paix. Donc nous, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que la santé, c'est un état de paix physique, mentale et sociale. Donc ce n'est pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un état de paix. Un état complet de paix. Amen. Et dans l'Ancien Testament, l'expression bonne santé est une traduction de l'hébreu shalom. Lorsque, par exemple, Joseph va révéler qui il est à ses frères en Égypte, il va leur dire, est-ce que notre père va bien? Est-il en bonne santé? Le mot bonne santé ici, l'expression bonne santé, c'est shalom. Donc nous comprenons par là donc, que la santé est une manifestation de la paix dans sa complétude. Quand quelqu'un est véritablement en paix de manière complète, il expérimente la santé. Alléluia. Alléluia. Et la vérité de la parole de Dieu nous montre que la santé, et pas seulement la guérison, mais la santé aussi, est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de nous guérir, mais la parole de Dieu nous montre que la volonté de Dieu est aussi que nous soyons en bonne santé. Psaume 103, verset 3, nous connaissons très bien Psaume 103 qui commence par « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et au verset 3 de Psaume 103, la Bible nous dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Amen. Et donc nous voyons dans ce passage que le pardon des péchés et la guérison vont de pair. Si tu crois que Dieu peut pardonner, tu dois croire également que Dieu peut guérir. Mais la volonté de Dieu ne s'arrête pas là. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Isaïe 33, verset 24. La Bible dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Isaïe 33, verset 24. Le peuple reçoit le pardon de ses iniquités. Donc ici, il est question de pardon et il est aussi question de santé. Donc la santé divine marche de pair aussi avec le pardon des péchés. Si tu crois que Jésus-Christ a pardonné tes péchés, tu dois croire aussi que sa volonté est que tu puisses vivre totalement dans la santé. La guérison vient nous restaurer. La guérison, c'est que nous étions en bonne santé, nous sommes tombés malades et la guérison vient nous restaurer. Mais Dieu ne veut pas seulement que nous ayons une vie qui a des hauts, des bas, Non, mais il veut aussi que nous puissions vivre une vie de santé. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple reçoit le pardon de ses péchés. Parce que le pardon des péchés marche de pair aussi avec la santé divine. Alléluia. Et 3 Jean 2 que nous avons lu tout à l'heure nous montre subtilement que la bonne santé est un accomplissement de l'œuvre de la croix dont nous pouvons bénéficier et auquel nous devons aspirer. Alléluia.
Si Jésus a pardonné nos péchés, alors la guérison est notre partage. Mais aussi la santé divine. Être pleinement, constamment en bonne santé. Dans un état complet de bien-être. Et pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme, dans l'esprit. Au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. J'irai même jusqu'à dire au niveau financier, vu qu'on parle aussi de santé financière. C'est la volonté de Dieu. Et Jean dit à Gaius, je souhaite que tu sois en bonne santé. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà tout accompli. Il a déjà pardonné les péchés. Il nous a déjà octroyé la guérison des maladies. Et dans tout ce package du salut, il nous a aussi accordé la santé, la paix, l'état de paix complet. De paix complète, l'état complet, l'état aussi, l'état complet de paix complète pour avoir les bons accords des adjectifs. Alléluia. Et voilà pourquoi j'en peux souhaiter. C'est-à-dire que quelque chose est déjà accompli, maintenant on peut y aspirer. Ce n'est pas quelque chose d'utopique. Ce n'est pas utopique pour un chrétien de croire qu'il peut rester en bonne santé jusqu'à sa mort. Ce n'est pas utopique parce que c'est un bénéfice de l'alliance. Et cela est inclus dans la paix parce que la bonne santé comme la paix, c'est le shalom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous regardons au verset 3 de 3 Jean, Jean nous dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Pourquoi Jean peut souhaiter la bonne santé à Gaius? Parce que Gaius a un rapport particulier avec la vérité. Et nous voyons dans ce passage que l'expérience de la paix en tant que santé complète, santé divine, est liée à la vérité. Est lié à ce qu'on appelle la vérité. Et c'est ce que je veux rapidement te partager, rapidement nous partager en 5 minutes. Et nous allons prier. La vérité. Nous devons savoir que la vérité est plus qu'une information conforme à la réalité. C'est un esprit, l'esprit de Dieu. La vérité, nous, par abus de langage, et ce n'est pas totalement faux en soi, nous identifions généralement la vérité à une information qui est conforme à la réalité. Mais non, la vérité, c'est bien plus qu'une information qui est exacte. C'est l'Esprit de Dieu. Jean 16, verset 13. Dans Jean 16, verset 13, Jésus nous présente le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de vérité. Alléluia. L'Esprit de vérité. Et il nous montre par là, Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Cette même vérité avec laquelle Gaius avait un bon rapport et sur la base de laquelle Jean pouvait espérer pour lui, prier pour lui, souhaiter pour lui qu'il soit en bonne santé. Ce n'est pas juste une information qui est conforme à la réalité, non. C'est un esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Avant d'être une information exacte par rapport à la réalité, la vérité est une donnée spirituelle qui peut impacter la réalité. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons être forts dans la parole de Dieu. Nous devons plonger dans la parole de vérité. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager ce matin. Et la base sur laquelle nous allons prier pour déclarer la santé divine. Parce qu'il est grand temps. Il finit le temps de reculer sous les assauts de la maladie, sous les assauts des menstrues douloureuses, sous les assauts des grippes saisonnières, sous les assauts des AVC, des maux de tête, des grippes, des maux d'estomac, des calculs rénaux, des cancers. Finit le temps. Il est grand temps de nous tenir dans la parole de vérité. Pourquoi? Parce que bien plus que d'être une information exacte par rapport à la réalité, la vérité est une donnée spirituelle qui peut impacter la réalité. Voilà pourquoi le plus important n'est pas d'avoir une information exacte par rapport à la réalité, mais de savoir la vérité, c'est-à-dire être en contact avec l'Esprit qui est capable d'imposer une autre réalité. Alléluia. C'est la vérité qui modèle la réalité. Voilà pourquoi dans Jean 6, verset 63, Jésus nous dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie.
Pourquoi? Je suis en train de nous faire comprendre ici que ce qui fait la différence, ce n'est pas juste ce qui sort des lèvres ou le constat visible de la réalité, mais c'est plutôt les données spirituelles, la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des rapports de la réalité. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui vient constater, comme quelqu'un, on a fait un accident et puis quelqu'un vient juste faire le constat. Non, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Il nous dit la vérité, une parole qui est capable de modeler la réalité. Même si ma réalité de santé au niveau de mon esprit, au niveau de mon âme, au niveau de mon corps n'est pas celle qui me convient, je peux trouver dans la parole de vérité une donnée spirituelle qui va changer cette réalité visible pour m'introduire dans la paix comme un fleuve, la paix de tous côtés, un état complet de bien-être, la santé divine. Alléluia! Et nous devons donc recevoir cette vérité dans notre esprit par la parole. Donc, parce que justement, Jésus a dit que cette parole est esprit et vie. Jésus, la parole est la vérité, parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, nous communique Jésus la vérité dans notre esprit afin que nous ayons la vie. Nous devons recevoir la parole dans notre esprit. Tous les passages que j'ai partagés jusqu'ici, c'est pour nous, pour que nous puissions les recevoir dans notre esprit. Le plus important, ce n'est pas ce que je constate avec mes yeux. Le plus important, c'est ce que je sais de la parole. Rappelez-vous que la prophétesse nous a dit il y a quelques jours, l'esprit ne croit pas, l'esprit sait. Voilà, l'esprit n'a pas la foi parce que c'est l'âme qui a la foi. Mais l'esprit sait. L'esprit sait. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand mon esprit reçoit donc la vérité de la parole, la vérité qui m'est communiquée par l'esprit de vérité? La foi donc descend jusque dans mon âme. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le mot parole ici, c'est le mot grec rhéma, qui veut dire parole révélée. L'esprit de vérité rend cette parole écrite vivante. Alléluia. Et c'est elle qui nous communique la foi. Quand je reçois le rhéma du Saint-Esprit à partir des Écritures, mon esprit reçoit cette donnée spirituelle qu'on appelle la vérité. Et elle engendre ce qu'on appelle la foi. Qu'est-ce qu'il entend? Ce n'est pas mon âme d'abord, c'est mon esprit qui reçoit. Bien-aimé, ce matin, reçois la parole de vérité par rapport à ta santé et entre dans ta santé au nom de Jésus. Quand mon esprit reçoit cette vérité, cette information spirituelle, alors mon âme s'élève au niveau de la foi. Mon âme peut croire. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand mon âme croit? Alors je peux expérimenter la santé dans mon corps, dans mes affaires, aussi dans mes émotions, dans mon intellect. Je peux expérimenter la santé dans ma vie spirituelle pour avoir la victoire sur le péché. Alléluia. Proverbes 4, versets 20 à 22. C'est le dernier passage que nous allons lire et nous allons prier. Proverbes 4, verset 20 à 22. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Vous voyez, qu'est-ce qui est attentif ici? Ce n'est pas d'abord mon oreille physique, c'est mon esprit. Parce que mon esprit va saisir cette vérité, la parole, la donnée spirituelle. Verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Vous voyez, quand mon esprit a saisi, alors la vérité descend dans mon âme pour produire la foi. Et voilà ce qui se produit ensuite dans le visible. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. L'esprit entend, l'âme comprend et le corps entreprend. L'esprit sait, l'âme croit et le corps expérimente. Ce matin, Dieu veut te faire expérimenter la santé divine. Reçois la parole de vérité ce matin dans ton esprit. Alléluia. Reçois la parole de vérité. Et j'aimerais rapidement finir en disant ceci. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, les occultistes se basent sur ces principes-là pour faire certaines choses occultes. Vous allez entendre parler de guérison par la pensée, hypnothérapie, santé par hypnose,
toutes ces choses-là. Ils vont vous donner des méthodes en disant, il faut méditer, il faut ajuster les sinus, etc., etc., etc. Nous, nous ne sommes pas dans ces choses. Parce que celui qui est dans ces choses, il n'a pas la foi au Fils de Dieu. Il n'est pas en contact avec la vérité. Il va peut-être faire certaines actions sur son âme, sur ce qu'il estime être son esprit. Il va être en contact avec de mauvais esprits. Mais nous, nous croyons en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de savoir comment le mécanisme, comment la vérité entre dans notre esprit pour ensuite descendre dans notre âme, ensuite pour reconditionner notre réalité. Non. Nous recevons tout simplement l'information spirituelle, la vérité, la parole de Dieu dans notre esprit. Et nous expérimentons la santé divine dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Parce que la vérité, c'est bien plus qu'une information spirituelle. C'est l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ. Et celui qui est en contact avec l'esprit de Jésus-Christ croit au Seigneur Jésus-Christ. Et il expérimente la santé divine. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier. Parce que la santé est cet état complet de bien-être, cet état complet de paix. Et nous voulons prier ce matin et déclarer la santé. Alléluia. Reçois la parole de vérité ce matin dans le nom de Jésus. Reçois la parole de vérité ce matin dans le nom de Jésus. Alors élevons nos voix et prions. Et recevons la parole de vérité ce matin. Recevons la parole de vérité. Jésus-Christ, la parole de vérité. Recevons la parole de vérité ce matin. Laissons-nous toucher par l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, en ce matin, oui, laisse-toi toucher par l'Esprit de vérité. Élevons nos voix et prions en langue. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est ton moment maintenant. Le Saint-Esprit peut te remplir maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te remplir maintenant. Alléluia. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et quelle est cette vérité-là? C'est Jésus-Christ, la parole vivante. Alléluia. Reçois cette vérité au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Rema mama sota. Ricabros. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Élevons nos voix et demandons la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Oh, Rema Mamabo Sitaria. Il nous conduit dans toute la vérité. Oh, bien-aimé, ce matin, là où tu es, tu peux être rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'arrive pas seulement quand on est collectivement à l'église, quand il y a un pasteur, un prophète, un évangéliste, un apôtre, un docteur, un ancien diacre, un responsable. Non. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui croient, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent dans l'obéissance et qui croient, qui sont assoiffés. Reçois le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Oh, l'apôtre Pierre pouvait le dire. Cette promesse est pour vous et vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oh, Rima Mamama Shotariaba, Reba Baba Koriere Brosia, Rikatarabos, Rebobobobosha, Rita Mamama Yondorobos, Ereboshi Terebrosika, Eterebosipala, Erebes, reçois le Saint-Esprit maintenant, l'Esprit de vérité, reçois le Saint-Esprit, si tu as la foi en Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Oh Rima Mamama, le Saint-Esprit n'est pas dans des schémas préétablis. Oh, nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Ah, Rema Mamache. Rema Mamama Soteria. Le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Et nous le recevons en nous. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Reba Baba Shotaria. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Oh, bien-aimé. La paix comme un fleuve, elle est par l'esprit de paix, elle est par l'esprit de paix, celui qui dirige vers nous, la paix comme un fleuve, il a dit voici, je dirigerai vers elle, Jérusalem la cité de la paix, oh la paix comme un fleuve, et nous sommes cette cité de paix, oh par le Saint-Esprit, oh Sheba Babaye,
Oh Rima Mama Mama, reçois le Saint-Esprit ce matin. Reçois le Saint-Esprit. Shara Baba 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 Ko. Oh, à celui qui croit. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture, reçois le Saint-Esprit. Élève ta voix et prie, pas ta bouche. Ré ma 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 ma. Ré ma 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 ma. Ré ma 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 ma. Et alors que le Saint-Esprit est en train de remplir ton esprit, alors qu'il est en train de remplir ton esprit, oh, ouvre la bouche et parle en langue. Ouvre la bouche. Oh, ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi. Si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête. La foi ne vient pas de ce qu'on comprend, non. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Lorsque j'entends la parole dans mon esprit, oh, la foi est réveillée. Oh, et se déverse dans mon âme. Oh, alors je peux ouvrir la bouche. L'esprit entend, il reçoit la parole de foi. Il comprend, oh, l'information spirituelle de Dieu. Et le corps peut entreprendre, oh, l'action par la foi. Oh, oui, Réma Mama Choderia. Et Réma Mama 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 Soka. Réma Mama 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 Soka. Réma Rabo Chebre de Kis. L'esprit sait. Oui, parce que la foi est la ferme assurance. Et la foi, oui, parce que ce sont des choses qu'on espère. Oh oui, et le corps peut désormais démontrer, agir. Parce que la foi est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oh, je ne vois pas encore cela dans la réalité. Mais cette vérité de la parole de Dieu est une information spirituelle qui est capable de reprogrammer la réalité. Oh, là où je ressens la maladie, là où je vois des cycles de maladie, oh, je peux tout simplement m'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Oh, re ma 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 chete riarabras, rondorobroche, rialabababa. Oh, ce ne sont pas des fables habilement conçues, ce n'est pas l'occultisme, des choses que des gens racontent ça et là. Oh non, et malheureusement même quelquefois dans l'église, oh mais nous avons part à toutes ces choses par la foi au Fils de Dieu. Qui s'est donné, qui s'est livré lui-même, qui est mort, qui s'est livré lui-même pour nous. Oh, Réma, ma, ma, ma. Ce n'est plus moi qui vis, oh, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Et si je vis désormais dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, en sorte que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort. Oh, Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Oh, Rima Mamo Sitaba. Remplis-nous ce matin, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Rama Mamama Sotaria. Rima Mamama Ronde. Yabro Sipalahaya. Rima Mama Sotaria. Ramamama sotari ebekitia. Yebrosi palabaha. Makataya. Oh, alléluia. Nous allons élever nos voix alors que nous sommes remplis de l'esprit. Et nous allons prier pour la santé physique. Ce matin, nous ne sommes pas en train de prier pour la guérison. Hier, nous avons prié pour la guérison. Aujourd'hui, nous voulons croire de par la parole de vérité qui nous est révélée par l'esprit de vérité, que nous pouvons expérimenter la santé. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire rapidement deux passages et nous allons prier. Ésaïe 33, verset 24, que nous avons lu tout à l'heure. Ésaïe 33, verset 24. La Bible dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem, le peuple qui est dans la cité de la paix, reçoit le pardon de ses péchés, reçoit le pardon de ses iniquités. J'aimerais qu'on lise aussi Exode 23, verset 25. Exode 23, le verset 25. La parole de vérité nous le dit et je prie que nos esprits soient disposés pour recevoir cette parole de vérité. Exode 23, le verset 25. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux.
et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il a dit qu'il éloignerait la maladie du milieu de nous. La maladie n'a pas sa place. Élevons nos voix et prions contre les maladies répétitives, contre les maladies cycliques, contre les maladies saisonnières. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie. Ramamama shekete. Rebababa shokele. Alabababa. Élève ta voix et prie. Prie contre les maladies répétitives. Tu as l'habitude de voir certains mots à certaines périodes précises de l'année. Élève ta voix et prie. Les choses qui reviennent de manière répétitive. Élève ta voix et prie et proclame la parole de vérité. Oh, que ton âme reçoive la foi par la vérité qui descend dans ton esprit. Au nom de Jésus. 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 Oh, la paix comme un fleuve. C'est aussi pour expérimenter la santé physique. Pour expérimenter la santé physique. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Oh, tu n'as plus à dire que tu es malade. Oh, ce n'est pas que tu fais l'autruche, non. Non, non. Ce n'est pas que tu fais l'autruche, non. Mais tu expérimentes. Alors que tu reçois ta guérison, alors que tu reçois la santé par la foi, tu l'expérimentes pleinement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabababababa shekeria. Rebabababa. Nous prions contre toute maladie répétitive. Si tu as des maux de tête répétitifs, élève ta voix et proclame la santé. Proclame la santé. Proclame la santé. Bien-aimé, lorsque nous prions en ce qui concerne la guérison et la santé, nous faisons ce qu'on appelle la prière de la foi. Comme nous le dit Jacques. Il dit si quelqu'un est malade, qu'il aille vers les anciens et qu'il loigne de l'onction d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi, ce n'est pas la prière où nous disons « Oh Seigneur, s'il te plaît que je sois en bonne santé ». Non, la prière de la foi, c'est la prière où nous prenons appui sur la vérité. L'esprit, oh l'esprit qui est capable de changer notre réalité pour déclarer ce qui est dit dans la parole de vérité. Alléluia. Alléluia, déclare-le que tu expérimentes la santé. Déclare-le que tu expérimentes la santé. Ce matin, faisons la prière de la foi. Tu expérimentes la santé. Nous expérimentons la santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Contre toute maladie répétitive. Au nom de Jésus. Contre toute maladie cyclique. Au nom de Jésus. Quelqu'un mal qui revient. Oh, tous les débuts de mois. Ou à une période particulière du mois, ou avec un cycle. Quelquefois, beaucoup de sœurs vivent ce genre de choses. Ce matin, tu peux élever ta voix pour déclarer la santé divine. Pour déclarer la santé divine. Pour arrêter ces cycles de douleur aiguë, non. Pour arrêter ces cycles de douleur aiguë. Les maux d'estomac aigus. À une période particulière du mois, tout commence à aller mal dans ton corps. Mais ça, c'est la réalité. Jésus n'est pas le Dieu de la réalité, non. Il est le Dieu de vérité. Notre Seigneur Jésus, il est la parole de vérité. Il est la parole de vérité. Alléluia. Proclame, proclame-le. Proclame que ces cycles s'arrêtent. Ces cycles de douleur aiguë s'arrêtent. Au nom de Jésus. Ces cycles de douleur aiguë s'arrêtent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ces choses cycliques. Des choses cycliques. Oh, peut-être que tu as des problèmes de conception infantile. À chaque fois qu'il y a une conception, oh, il y a un cycle qui se remet en marche. Il y a une fausse couche. Il y a toutes sortes de problèmes. Déclare la santé divine. Au nom de Jésus. Oh, il a dit dans Ésaïe 66, vous n'aurez pas des enfants pour les voir mourir. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Oh, remamamamamaché. Aucun habitant ne dit je suis malade. Déclare-le. Tout cycle prend fin maintenant au nom de Jésus. Dieu n'a pas prévu que tu sois dans des cycles de maladie guérison, maladie guérison, maladie guérison. Mais sa volonté est aussi que tu puisses expérimenter la paix comme un fleuve. La paix comme un fleuve. Expérimente le courant de la paix comme un fleuve. La paix comme un fleuve. C'est un fleuve qui coule. Ce n'est pas uniquement une pluie de guérison. Non, mais c'est un fleuve de santé. Un fleuve de santé. Un fleuve de santé. Le Dieu qui a dit,
je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Il est aussi le Dieu qui a dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebababa, shake, rebebe. Oh, nous prions contre toute maladie saisonnière. Élève ta voix et prie contre toute maladie saisonnière. Oh, bien-aimé, je veux te partager ce témoignage. Moi, quand il y a des changements de saison, et je commence à sentir que ma gorge me démange ou que mon nez commence à être bouché. Non, je ne reste pas là en me disant, oh non, c'est la saison. Non, je commence déjà. Dès que ma gorge commence à être bizarre, je commence déjà à appliquer la prière de la foi, à m'imposer moi-même les mains et à ordonner à mon corps d'être en bonne santé. Il a dit, vous servirez l'Éternel. Exode 23, verset 25. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je ne commence pas à dire, oh Seigneur, oh, aie pitié de moi, que je ne puisse pas avoir cette grippe. Non, il a déjà tout accompli à la croix. Il a dit, vous servirez l'Éternel Dieu, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Je suis un serviteur de Dieu, alors la maladie est éloignée du milieu de moi. La maladie est éloignée du milieu de moi. Alors moi-même, je me tiens dans la foi au Fils de Dieu, dans la parole de vérité, et j'ordonne à mon corps de faire disparaître la grippe, parce que je dois chanter à l'église, parce que je dois prêcher la parole de Dieu, parce que je dois servir Dieu, parce que j'ai un travail aussi où j'utilise, un travail séculier où j'utilise ma voix. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Élève ta voix et prie contre toutes les maladies saisonnières. Lui, que ta foi aille jusque-là. Que ta foi aille jusque-là. Refuse de tolérer les maladies saisonnières en disant, oh non, c'est normal, oh non, c'est normal. Oh, ma foi ne dépend pas de ce que je vois. Ma foi dépend de ce que je sais, de ce que mon esprit sait. C'est l'information spirituelle, l'esprit de vérité, la parole de vérité. Oh, ma foi ne dépend pas de la réalité. Ma foi dépend de la vérité. Oh, je ne suis pas bougé par ce que je vois. Je suis bougé par ce que je sais de la parole. Oh, je m'élève désormais contre toute maladie saisonnière. Je déclare la santé. La santé comme un fleuve. Le shalom de Dieu comme un fleuve. La bonne santé comme un fleuve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si tu es actuellement en train de vivre une grippe saisonnière, une maladie saisonnière, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Reçois-la maintenant. Aucun habitant ne dit je suis malade. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Oh, sur la base de la parole de vérité. Alors que l'esprit de vérité nous remplit et agit au milieu de nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie aussi contre les maladies héréditaires. Élève ta voix et prie contre les maladies héréditaires. Élève ta voix et prie. Oh, tel membre de ta famille a vécu ceci. Oh, ton père a vécu ceci. Oh, ça c'est ce qui est courant parmi les gens de ta famille. Il faut arrêter de dire les paroles du genre. Ah, dans notre famille, c'est comme ça. Non, c'est pas une histoire de dans notre famille, c'est comme ça. Moi, j'appartiens à la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il n'y a pas de maladie. Est-ce que le Saint-Esprit peut être malade? Est-ce que le Fils peut être malade? Oh, je ne me rappelle pas d'un passage de la Bible où on nous a dit que Jésus était malade. Je ne me rappelle pas d'un passage de la Bible où on nous a dit que notre Dieu, Jésus, 100% Dieu et 100% homme, a expérimenté la maladie. Non, je n'ai jamais vu cela. Si je suis de la même famille que lui, si son sang coule dans mes veines, alors c'est cette famille-là qui m'importe. C'est cette famille-là qui prévaut sur ma famille biologique. Je m'élève dans le nom de Jésus contre toute maladie héréditaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix bien-aimée et proclame-le. Élève ta voix bien-aimée, proclame-le dans le même élan. Prie contre les maladies qui
qui sont liés à l'âge. On dit, oh non, à partir de 30 ans, on commence à avoir les maux de dos. On commence à avoir une certaine fatigue. On commence à avoir l'hypertension. On commence à avoir ceci, on commence à avoir cela. Le cholestérol, le diabète. Élève ta voix et chasse ces choses. Nous proclamons la parole de vérité. Caleb pouvait dire à Josué, j'ai 80 ans, mais j'ai encore les jambes de mes 40 ans. Regardez un tel homme, il avait 40 ans. Lorsque Dieu a dit que le peuple allait tourner 40 années encore dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. Mais Caleb et Josué qui avaient cru en la parole de vérité, en la promesse de posséder ce bon pays, la terre promise, ce pays où coule le lait et le miel. Ils n'ont même pas subi les effets du temps. Bien entendu, le temps qu'on en s'est passé, ils avaient 80 ans d'âge. Mais ils n'ont pas subi ça dans leur corps. Ils avaient encore, c'est comme si le temps n'a pas eu d'effet sur leur corps. Caleb dit, donne-moi cette montagne. J'ai 80 ans, mais je n'ai pas subi les effets du temps. J'ai encore les jambes de mes 40 ans. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La santé divine. La santé divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de me complaire dans un état à cause de l'âge. Je refuse cela. Je refuse cela. Oh, je refuse cela. Il me donne une seconde jeunesse. Oh, ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui croient en l'Éternel. Ceux qui acceptent la parole de vérité. Oh, qui sont remplis de l'esprit de vérité, l'esprit de paix. Et qui croient dans la parole de vérité. Ils prennent leur envol comme des aigles. Oh, une seconde jeunesse. Mon corps se renouvelle sans cesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Et nous allons prier aussi pour la santé mentale. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. J'aimerais que rapidement, nous lisions Marc 5, 2 à 5 et 15. Et verset 15. Marc 5, le verset 2 à 5. Et ensuite, le verset 15. Marc 5. Nous allons continuer de prier. Rebababaché. Et si tu connais quelqu'un qui a un problème de santé mentale, tu peux prier pour cette personne. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été jeté, lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Mais l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ est passé par là. Jésus est passé par là. Au verset 15, la Bible nous dit que les gens de cette ville vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. La santé divine, assis et vêtu et dans son bon sens. Si tu connais quelqu'un qui a un problème de santé mentale, maintenant élève ta voix. Et si tu as des problèmes d'errance mentale, et si tu es là actuellement, si tu es né de nouveau, oh, peut-être que c'est ton âme qui est troublée. Peut-être que ta conscience est troublée dans ton âme, mais ton esprit m'entend. Maintenant même, je déclare la santé divine. Maintenant même, tu retrouves ton bon sens. Maintenant même, tu retrouves ton bon sens. Maintenant même, Rebababa Shondaria, tu retrouves ton bon sens au nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus, toute personne qui a un problème de santé mentale, oh, nous proclamons le shalom de Dieu, cet état complet de bien-être mental également, au nom de Jésus. Rababa Shaka, au nom de Jésus. Cet état de bien-être, cet état de shalom, cet état complet de shalom, au nom de Jésus. Mekataya, Rebabababa, Rokotababa, Rekatababa, Rekatabababa, Relabababa, Redébranche, dans le nom de Jésus. Quelle que soit la mauvaise information spirituelle, quel que soit le démon qui est logé quelque part, ou troubler la conscience de quelqu'un, pour le rendre impotent dans le domaine mental. Maintenant même, l'esprit de vérité entre en contact avec l'esprit de cette personne. Et dans le nom de Jésus, oh, cette personne retrouve son bon sens, assise, vêtue, et dans son bon sens. Rababa Shetekenia,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la santé mentale maintenant au nom de Jésus. Reçois la santé mentale au nom de Jésus. Et déclare même par avance que tu ne tomberas jamais dans la folie. Déclare par avance que tu ne tomberas jamais dans la folie. Oh, si des gens étaient de manière répétitive dans ta famille, dans la folie, dans le nom de Jésus, cela ne t'arrivera pas. Parce que tu expérimentes la santé comme un fleuve, le shalom comme un fleuve, la bonne santé comme un fleuve. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Shakataba, Rico Bobobobobobos, au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera pas. Non, tu ne tomberas pas dans la folie. Tu ne tomberas pas dans la démence mentale. Non. Tu expérimentes la santé comme un fleuve. Cela est ton partage au nom de Jésus. Ayendo, Ayaka, Arekataba, Rokobobo Shaka. Maintenant au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Oh, Ramamamamama. Je ne serai jamais fou. Au nom de Jésus. Mon épouse ne sera jamais folle. Au nom de Jésus. Oh, Rimamamamamaché. Oh, mes parents ne seront pas fous. Au nom de Jésus. Mes frères ne seront pas fous. Mes enfants après moi et les enfants de leurs enfants. Toute ma descendance, les générations, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, tous expérimenteront la santé mentale. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Et nous allons prier pour la santé émotionnelle. La santé émotionnelle. Nous allons lire Lamentations 3, versets 19 à 23. Je lis Lamentations 3, versets 19 à 23. Nous allons proclamer la santé émotionnelle. Parce que la santé n'est pas seulement physique. Elle n'est pas seulement dans le corps. Elle se trouve aussi dans l'âme. Elle se trouve aussi dans l'âme. Là où il y a les émotions. Et ce matin, Dieu veut que tu cesses d'être dans des cycles de lamentation. Tristesse, joie, tristesse, joie, tristesse, joie. Non, il veut te donner d'expérimenter la santé émotionnelle. Regardez ce que Jérémie nous dit dans Lamentation 3, à partir du verset 19. Nous connaissons très bien ce passage. La Bible dit, il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous voyez, c'est l'âme ici qui est affectée. Mais il dit au verset 20, au verset 21, pardon, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ici, le cœur, il parle ici de l'esprit, sachant que le cœur, c'est l'aime, la partie du milieu. Voici ce que je veux repasser dans mon esprit, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit au verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien aimé, quand il dit oh, là maintenant la santé est descendue désormais dans son âme. Parce que quand on commence à pousser un cri oh, ça veut dire que l'âme est saisie. Son âme était dans la tristesse. Mais lorsqu'il a reçu la parole de vérité dans son esprit, qu'il a médité dans son esprit, dans son cœur, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, oh, que ta fidélité est grande. Cette santé-là est descendue dans son âme. Oh, bien-aimé, avant qu'on ne prie, j'aimerais encourager quelqu'un. La vie chrétienne n'est pas une vie de déni. N'est pas une vie où nous faisons l'autruche. Où on vient devant les gens faire semblant. Alors qu'on va mal à l'intérieur de nous. Non, la vie chrétienne est une vie de santé émotionnelle. Où nous recevons l'information de la parole de vérité. La donnée spirituelle selon laquelle les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et notre âme entre dans la santé émotionnelle. J'aimerais encourager un prédicateur. J'aimerais encourager un conducteur de louange. Quelquefois nous venons devant les gens. Nous venons motiver les gens. Nous venons encourager les gens. Mais nous faisons l'autruche. Non, tu n'as pas besoin de faire l'autruche. Reçois la santé émotionnelle dans ton esprit. Reçois cette santé dans ton esprit et qu'elle coule dans ton âme. J'aimerais encourager un ouvrier. On ne te demande pas à l'église de faire l'autruche et de venir servir entre guillemets comme si de rien n'était. Non, mais on te demande de t'attacher au Saint-Esprit. De t'attacher au Saint-Esprit afin de recevoir pleinement la santé. Et en dépit des circonstances, d'être dans la joie dans ton âme. Élève ta voix. Et s'il y a une situation qui te tracasse actuellement, élève ta voix et proclame la santé émotionnelle. Ce matin même, tu peux dire comme Jérémie, oh, quand je pense à l'absinthe au poison,
à ma détresse, à ma misère. Quand mon âme se souvient, elle essaie d'abattre au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais repasser en mon cœur, dans mon esprit, la parole de vérité, ce que me communique l'esprit de vérité. Pas la réalité de la sainteté du poison, pas la réalité de la misère, non, mais la vérité spirituelle, selon laquelle les bontés de mon Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés de celui en qui je crois, en celui sur qui a fondé ma vie, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors reçois la santé dans ton âme maintenant. Reçois la santé dans tes émotions maintenant. Au nom de Jésus, cette tristesse prend fin au nom de Jésus. Cette dépression prend fin au nom de Jésus. Cet abattement prend fin au nom de Jésus. Oh, il a dit qu'il est venu pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange. Oh, ramamamamama, au lieu de l'esprit abattu. Il est grand temps de laisser l'esprit abattu. Il est grand temps d'enlever les vêtements du deuil. Enlève les vêtements du deuil. Pars-toi de ta plus belle tenue. Oh, de ton vêtement de louange. Oh, pars-toi de ton vêtement de louange. Oh, de cette huile de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, reçois la santé dans tes émotions. Proclame-la. Proclame-la. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin. Bien-aimé. Oh, tu n'as pas besoin que la situation change d'abord. Reçois cette santé dans tes émotions d'abord. Et tu vas voir que cette parole de vérité change ta réalité. Change ce que tu vois. Parce qu'elle t'apporte la santé. Cheka terebosh. Retarababa. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour un avant-dernier sujet. Nous allons prier aussi pour la santé intellectuelle. La santé intellectuelle. J'aimerais qu'on lise Daniel 2, versets 12 à 19. C'est notre avant-dernier sujet. La santé intellectuelle. Waouh, j'ai lu ce passage ce matin et j'ai vraiment été défié dans ma foi. Et je prie qu'il en soit ainsi de toi alors que je vais te lire cette parole de vérité. Daniel 2, versets 12 à 19. La Bible nous dit, vous connaissez très bien cette histoire, là-dessus le roi Nebuchadnezzar se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée et les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sincère à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioc exposa la chose à Daniel. « Je prie, bien-aimé, que tu reçoives la santé intellectuelle pour ne pas être alarmé face aux défis qui nécessitent ton intelligence. » Non. Daniel dit pourquoi la santé est si sévère. C'est quel problème qui est là et puis on va mettre déjà à mort. Il y a une solution qui peut être trouvée. Je prie que tu reçoives la santé dans ton intellect. Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Ananias, Mishaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le nom du Dieu des cieux. Alléluia. Il est grand temps que tu arrêtes de t'inquiéter devant les problèmes et que tu dises, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donnez-moi juste un peu de temps. Et la Bible nous dit même que Daniel est allé plaider auprès du roi. Bien-aimé, il est grand temps que tu arrêtes de t'agiter et de parler à tout le monde des problèmes. Affronte le problème de front. Daniel n'a pas dit à Jacob, va demander pardon au roi pour nous. Il a dit non, roi, ça c'est un petit problème. Donne-nous juste un peu de temps, on va aller gérer cette affaire à notre Dieu. Et puis on va t'apporter la solution. La santé intellectuelle. Élève ta voix et prie. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pendant 3-4 minutes encore? Alléluia. Élève ta voix et prie pour la santé intellectuelle. Lui, Dieu veut te donner des solutions. Ton intelligence ne sera plus stérile. Parce que lorsque la parole de vérité entre dans ton esprit, elle finit par générer quelque chose dans ton âme. Elle finit par générer l'intelligence dans ton âme. Daniel a prié avec ses amis. La nuit même, le secret lui a été révélé. La nuit même. Désormais, on ne va plus dire, oh, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, révèle-nous. En espérant qu'un jour par hasard, non. Désormais, nous sommes les gens de « By this time tomorrow ».
gens de, d'aimer à ce même instant. Nous sommes des gens du genre, je vais prier, je vais me réveiller, la solution est là. Je prie mon Dieu, quand je dors, je me réveille. Tout va bien, tout est résolu. La santé intellectuelle, au nom de Jésus, je ne suis pas à court, quelles que soient les situations de la vie, quels que soient les défis de la vie. Oh, les défis ne sont pas censés être effacés par Dieu, non. Mais Dieu a prévu que j'ai la santé intellectuelle pour relever les défis qui se présentent face à moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vois ton intelligence être restaurée. Au nom de Jésus, c'est fini, tu n'es plus à court de solutions. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, arrête de t'inquiéter. Et tout simplement, à un moment donné, baisse juste la tête et commence à dire Rekatabaya. La solution de Dieu, la santé dans ton intellect, la santé dans ton intelligence, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pour ce dernier sujet, la santé spirituelle. Nous n'allons pas le lire pour des questions de temps, mais la Bible nous dit dans Romains 7, verset 21, jusqu'à Romains 8, verset 2, l'apôtre Paul nous parle du fait que il a envie de faire du bien, mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, une autre loi spirituelle, le péché qui agit dans ses mains. Mais ensuite il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quel que soit ce que je ressens dans mes mains, il y a une information spirituelle, la vérité de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en moi, qui me libère du péché. Bien-aimé, ça suffit les cycles où tu es là. Tu pèches, tu demandes pardon, tu pèches, tu demandes pardon. Dieu veut te délivrer de ce péché, définitivement. La santé spirituelle. J'aimerais qu'on ne finisse pas ce temps avant de prier par rapport à ce sujet. Si tu es lié par un quelconque péché, si tu es dans un cycle de je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, élève ta voix maintenant et proclame la santé spirituelle. L'esprit de vérité est en toi. L'esprit de vie est en toi, bien-aimé. L'esprit de vie est en toi. L'esprit de vie est en toi. Dans le nom de Jésus, tu marches désormais dans la sanctification. J'expérimente une vie de sanctification complète. Au nom de Jésus, j'ai fini les six cours. Ah, j'ai une victoire, un jour, deux jours sur la masturbation. Et je tombe encore. Non, 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 non. J'expérimente, oh, la santé spirituelle de manière complète. Au nom de Jésus, c'est fini les cycles de mensonges, c'est fini les cycles des addictions, addict à la drogue, addict à l'alcool, addict au tabac, addict à ceci, addict à cela, non, c'est fini. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas la réalité qui importe, c'est la vérité selon laquelle l'esprit de paix, l'esprit du shalom, l'esprit de santé habite en moi. Je suis libre du péché. Je suis libre du péché. Au nom de Jésus, tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus, bien-aimé. Tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus. Tu es rendu libre maintenant. Marche dans la liberté maintenant. Au nom de Jésus. Marche dans la liberté maintenant. Au nom de Jésus. Marche dans la liberté maintenant. Alléluia. Shalom, alléluia, alléluia, la paix comme un fleuve. Shalom, alléluia, alléluia, la paix comme un fleuve. J'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix de Dieu en moi, j'ai la paix de tous côtés, alléluia, la paix comme un fleuve. J'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés, alléluia, la paix comme un fleuve. Oui, Seigneur notre Dieu, merci. Pour ta paix comme un fleuve, pour ton shalom qui nous donne d'expérimenter la santé, cet état complet de bien-être, non seulement dans notre esprit, dans notre âme, mais aussi dans notre corps, ainsi que dans tous les aspects de nos vies. La paix de tous côtés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
garde cette parole de vérité. C'est la vérité pour toi. Et quels que soient les constats que tu fais dans la réalité, qui semblent contraires à ce qui a été dit, demeure ferme dans cette parole de vérité. Et tu expérimentes la santé au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Très bonne journée à nous. Nous nous retrouvons ce soir à 13h30. À 18h30, pardon, pour la prière. Et je nous rappelle également que nous aurons, pour clôturer ces 50 jours, la célébration ce dimanche à partir de 15h00. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons célébrer Dieu qui a dirigé vers nous la paix comme un fleuve. Que Dieu nous bénisse. Shalom.